Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chasse de trésors. Alors nous partons aujourd'hui, regardez, nous allons traverser une fois de plus, ça arrive souvent, dans cette chasse l'Atlantique, survoler le Brésil et nous rendre au Pérou, Pérou capitale Lima, dans cette Amérique latine. C'est un grand pays, le Pérou, il est occupé pour une bonne part par la cordillère des Andes, avec ses hauts sommets, parfois de plus de 6000 mètres, avec de profondes vallées entaillées dans la cordillère, et puis avec aussi des plaines cultivées le long de la mer, et une zone occupée par les Indiens au nord-ouest du pays, qui est une zone forestière. Nous allons, nous, tout au sud, nous allons dans la région que l'on appelle l'altiplano, et ça veut bien dire ce que ça veut dire si on comprend un tout petit peu l'espagnol, c'est-à-dire un haut plateau, région de l'altiplano, c'est-à-dire la région du lac Titicaca. Sans doute avez-vous appris, comme moi, dans vos livres de géographie à l'école, qu'il y avait ce fameux lac Titicaca en Amérique latine. Au Pérou, c'est le plus haut lac du monde, 3812 mètres d'altitude. C'est un lac navigable, c'est un lac qui est pour deux tiers péruviens et un tiers boliviens. Et c'est un lac qui est navigable, et navigable depuis très longtemps, car même au temps des Incas, c'est-à-dire entre le XIe et le XVIe siècle, il servait déjà de lieu de communication entre le sud de l'Empire, qui était la Bolivie, et même encore un petit peu en dessous, et le nord, qui était le Pérou, et toute cette région nord de l'Amérique latine. Voilà, donc nous jouons au lac Titicaca, dans cette région de l'Altiplano, au sud du Pérou, avec deux candidats français. Bonjour, vous êtes de Grenoble, tous les deux. Vous êtes Pascal Pigeon. Bonjour. Bonjour Pascal, vous parlez bien fort. Et Stéphane Gilbert. Bonjour Didier. Bonjour Stéphane Gilbert. Vous êtes, vous Pascal, étudiante aux arts décoratifs de Paris. Oui, c'est ça. Vous êtes venu de Grenoble à Paris pour faire vos études. Et vous, Stéphane, vous êtes attaché commercial à Grenoble. C'est cela même, oui. Bonjour Elsa Manet. Bonjour Pascal, bonjour Stéphane, bonjour Didier qui a tout dit une fois de plus. J'ajouterai simplement que c'est de ce lac Titicaca que, selon la légende indienne, est sorti Viracocha, le dieu créateur des hommes et de la terre, selon les Indiens. Alors j'espère que dans ces livres, de ces livres sur le lac Titicaca, sortira la vérité pour vous et la solution des énigmes. Bon courage. Merci. Merci Elsa, et sans plus tarder, nous allons rejoindre Philippe de Dieuleveux dans cette région du sud du Pérou. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Oui, bonjour à vous tous. Eh bien, je suis en effet sur le lac Titicaca. Je suis sur une de ces fameuses embarcations que l'on appelle ici balsa. Bien sûr, c'est assez périlleux de se promener. Je navigue actuellement avec un jeune indien Huros qui s'appelle Aurelio. Et je suis à proximité d'une île qui s'appelle Toranipata. C'est donc un archipel d'îles flottantes qui se trouve au nord-est de la ville de Puno, à environ 7 km de la ville de Puno. Sur votre carte, il y a peut-être marqué Casas Flotantes. Eh bien, c'est dans ces îles flottantes que je me trouve. L'hélicoptère, eh bien, Patrick Fabry et Serge Beaupère sont actuellement en train de le filmer. Il est au-dessus de nous et vous comprendrez facilement que le capitaine Jesús Sáez ne pourra pas se poser sur ces îles flottantes avec son hélicoptère, car nous ne sommes pas ici pour détériorer les habitations qui sont très légères, construites elles-mêmes avec ce fameux roseau des îles du lac Titicaca. Voilà, Didier, je vous rends la parole. Je suis donc sur le lac Titicaca, prêt à démarrer cette nouvelle chasse au trésor. Très bien, Philippe, et nous avons parfaitement compris que vous étiez sur un bateau et pas à bord de l'hélicoptère, ce qui est particulier. Oui, Philippe. Didier, oui, je pourrais donc utiliser, bien sûr, un bateau pour me promener dans ces différentes îles, mais si les candidats veulent que je reprenne l'hélicoptère, eh bien, évidemment, je trouverai un moyen ou un autre pour récupérer l'hélicoptère, qui est donc le symbole de cette émission, la chasse au trésor. Et pour monter à bord. Merci Philippe, je rappelle aux candidats qu'ils ont 45 minutes pour trouver 3 trésors, résoudre 3 énigmes, il faut aller très vite, ne pas perdre de temps, et comme vous l'a conseillé à juste titre Elsa, bien utiliser la documentation. Très important, je crois que nous sommes tous prêts, nous allons donc démarrer, je prends la première enveloppe, merci Elsa, elle vaut 2500 francs, première énigme, attention Philippe, oui, attention, je suis prêt. Voici la première enveloppe, première énigme, top chronomètre, c'est parti. Ok. Pour cette première chasse sur le lac Titicaca, ça m'a toujours amusé quand j'ai appris ça à l'école, et ça m'amuse toujours aujourd'hui. Voici l'énigme. Faites écrire par le secrétaire Félix Kuala de l'île catholique le nom de la patronne de Puno. Je répète, Philippe, pour vous, pour les téléspectateurs, cette énigme. Faites écrire, donc je pense que c'est vous, par le secrétaire Félix Kuala, C-O-I-L-A, de l'île catholique, le nom de la patronne de Puno. Alors Puno, on le voit sur la carte, c'est une localité
côtière, presque, enfin c'est au bord du lac. Tout de suite, première recherche, Stéphane et Pascal, vous parlez bien bien fort, que Philippe vous entende, il est très loin. Tout d'abord connaître quelle est cette île catholique, qui est à l'ère primordiale donc, dans un premier temps. Après connaître le nom de la patronne de Puno. Oui. Puisque faites écrire, il n'est peut-être pas censé savoir quel est le nom de cette patronne. Et le secrétaire Félix Koala, voilà les noms importants de cette énigme. D'accord, alors l'île catholique, le nom de la patronne de Puno, et ça le nom de la patronne de... Ah oui, le nom de la patronne de Puno, c'est le secrétaire Félix Koala qui va l'écrire. Oui. Donc on n'est peut-être pas obligé de le chercher tout de suite. Enfin, c'est vous qui décidez. D'abord chercher quelle est l'île... Vous parlez bien bien fort. Hein, d'abord savoir où est cette île catholique. Bien. Philippe. Oui, je vous écoute. Alors la première idée de Pascal et de Stéphane... Et de savoir où est cette île catholique. L'île catholique dont parle l'énigme. C'est... Bon, alors je vais essayer de... Philippe ? Oui ? Avez-vous vu une île plus importante que les autres ? Pardon ? Avez-vous vu une île plus importante que les autres ? Eh bien, je suis sur une île qui semble être assez importante actuellement. Oui ? Connaissez-vous... Je crois que je suis sur l'île la plus importante. Bon. Connaissez-vous son... Elle s'appelle Toranipata. Il y a des gens qui vivent ici, je peux essayer de les interroger si vous voulez. Oui, savoir oui. S'ils connaissent... Alors, est-ce que vous parlez l'espagnol, Philippe et Stéphane? Très mal. Pascal très et Stéphane. Très mal. Bon, que voulez-vous que je pose comme question? Quelle est la première question que vous voulez que je pose? S'ils connaissent où se trouve l'île catholique? Bon. Applaudissez espagnol. Ah, bon. Ce sont des Indiens. Ce sont des Indiens. Applaudissez espagnol, signor. Si. Donde es un isla catholica? Catholica, Donde? Es un catholica? Si? Alors, écoutez, je suis sur une île catholique. Là, hay una iglesia aquí? Si, una iglesia. Ah, alors écoutez, je suis sur une île catholique, me dit-on. J'ai demandé s'il y avait une église, on me dit oui. Alors, il faudrait qu'ils trouvent... est-ce qu'ils connaissent... Non, mais attendez, vous êtes sur une île catholique, mais est-ce que c'est l'île catholique? Attends, Il ne faut pas qu'il y ait de confusion, là. Oui, oui. Il peut y avoir plusieurs îles catholiques. Est-ce la isla catholica? La isla catholica est l'église protestante también. Ah, on me dit que c'est une île catholique, mais il y a également une église, enfin, donc protestante. Bon, ça complique les choses. Est-ce la iglesia? Tiens, Patrick. Écoutez, Patrick, je suis devant l'église de cette île. Il y a marqué Iglesia Catholica, ici. Bon, Pascal et Stéphane. Oui, parce qu'il faudrait... Quelle est votre idée, là? Bon, l'important, donc, est de trouver cette île catholique. Oui. À partir du moment où on a trouvé cette île catholique, il faut trouver le secrétaire Félix Koala. Bon, mais qui... Alors, je peux essayer de lui demander s'il connaît... Connaissez-vous ce nombre qui se llama Félix Koala? Félix Koala, qui est en Santa Maria. Lejos. Donde? Lejos, en Santa Maria, Tesseris. Qui doit être le secrétaire? Est-ce un secrétaire? C'est un secrétaire, de la isla. Ah, donde se vive? Santa Maria, la tercera isla. Donde, ah, écoutez, j'ai une information. Oui. Ce monsieur me dit que ils connaissent le secrétaire. Connaissez muy bien el secretario Félix Koala. Si. Si. Es un amigo de usted? Ah, si, si. Et dans des bébés. De Santa Maria, tercera isla. Alors, on me dit que ce monsieur habite à Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. Attendez, qu'est-ce que c'est Santa Maria? C'est un village, une île? Santa Maria est un pueblo? C'est une île. C'est on une... me dit que c'est une île. Bon. Alors, est-ce que vous avez... Attendez, Philippe. Est-ce que vous avez, Stéphane et Pascal, des informations qui confirmeraient ce que vient de dire ce... Cet indien Ouros qui parlait parfaitement l'espagnol, ouais, à Philippe. Bah sur le Titicaca, dans celui que je viens de voir, j'ai pas trouvé des éléments pas concernant... Pas d'informations pour l'instant. Bon, Philippe. Bah, on va continuer à chercher. Philippe. Oui, je vous écoute. Est-ce que cette île Santa Maria, et je pose en même temps la question à Pascal et à Stéphane, serait l'île catholique dont nous parle l'énigme? Est-ce que vous pouvez vérifier ça? Es una isla católica, Santa María. Sí, isla católica. Sí, seguro. Seguro. Alors ce monsieur me dit que donc c'est une île catholique. Alors attendez, on décide ici, Stéphane et Pascal. Oui, je crois qu'il faudra y aller. Il faut y aller. Oui, je pense qu'il faut y aller. Oui, oui. Bon.
Est-ce que vous avez un plan de l'archipel, un plan des îles Rien. L'archipel, ce sont des îles sur un... Vous n'en avez pas, vous, non, Philippe? Non, j'ai juste sur ma carte Casas Flotantes. Bon, comment se repérer dans ces îles? Est-ce que vous avez des photos des îles? Mais je suis en train de chercher justement dans celui-là. On va ouvrir tous les livres. Page 93. Sur le lac Titicaca. Philippe, est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire ces îles? Écoutez, je suis donc, oui, je suis sur une île flottante, c'est-à-dire que j'enfonce énormément, oui. Je dois descendre d'au moins 10 cm à chaque pas, et d'ailleurs pour Patrick, je cherche Patrick Hamad pour filmer, c'est assez impressionnant d'ailleurs de se promener sur ces îles, parce qu'on se demande jusqu'où on va descendre, et je crois qu'elles sont donc, voilà, le roseau est mis les uns... ici, de la lune. Attendez, on a un plan des îles, oui. Alors, elle s'appelle comment cette, les îles, oui, mais alors, ce sont toutes les îles du lac Titicaca, c'est pas assez détaillé. Car les îles où vous êtes, ce sont les îles Ouros, c'est ça? Oui, absolument. Hein? Donc les îles Ouros, regardez, elles sont marquées. Car le lac Titicaca est immense. Je crois qu'il faudrait qu'il aille sur cette île catholique et qu'il demande le... Bon, puisque vous voulez qu'il y aille. Oui, mais la trouver aussi. Il faut la trouver. Ben, je crois elle est dans quelle direction? Elle est au nord? Nous n'avons pas d'informations. Je crois que le mieux, c'est que... Philippe! Oui, je vous écoute. Philippe, je crois que le mieux, c'est que vous demandiez, sur place, aux amis Ouros qui vous entourent, oui. des informations précises, car Pascal et Stéphane, qui sont plongés dans les livres, ne trouvent pas de plan détaillé de ces îles. La Isla Santa Maria, donde es, por favor? Se puede ayudarme en montrar un mapa? Donde es Santa Maria Isla? Ce sont les îles du lac Titicaca. Oui, oui, les habitations. Avec les habitations, faites de gens. On voit qu'il y a beaucoup de gens. 15 minutes. Écoutez, on me dit que par bateau, je peux peut-être arriver à Santa Maria, qui serait donc dans cette direction, à peine 10 minutes. Alors que voulez-vous? Allez-y. Il faut y aller. En bateau ou en hélicoptère? En poussant. Est-ce que l'hélicoptère... L'hélicoptère vous pouvez partir. Écoutez, avec l'hélicoptère? Je suis désolé, mais c'est ce que je vous ai dit au début, je suis sur une île, donc si l'hélicoptère vient me chercher, alors, je vais prendre un bateau. Ramez fort, vous demande Stéphane. Prenez par la île, en la direction, par acá, por favor. Et je vais essayer de trouver l'île Santa Maria. Vous êtes sur un bateau à moteur ou avec des rames? Philippe? Oui, je vous écoute. Vous êtes sur un bateau à moteur ou un bateau à rame, vous demande Stéphane. Je viens de trouver un bateau à moteur. Bon. Et donc je vais partir. Car il devait être sur un petit bateau comme ça au départ. Oui, je crois que c'est ça, avec des rames, donc c'est pas évident. Bon, alors je crois qu'il faut que nous... Attention, le temps tourne. Hein, nous avons utilisé presque 8 minutes 30 déjà. Oui. Essayez un petit peu mieux de savoir qui pourrait être ce secrétaire. Félix Kola, pourquoi un secrétaire? Moi, je veux dire, ça m'étonne beaucoup. Hein, quelle est votre idée tout à l'heure, Stéphane? Vous aviez l'impression que... Je sais pas, parce qu'il nous a parlé de protestantisme. Alors j'ignore quelles sont les... la hiérarchie. Bon, au niveau de l'Église catholique, c'est le prêtre. C'est le pasteur au niveau de l'Église protestante. Mais est-ce que, justement, le secrétaire n'a pas un autre, une signification dans l'Église protestante? Pourquoi l'église protestante? Et il parlait d'une église protestante. Oui, mais sur l'île où il était, mais là on va sur l'île Santa Maria, autrement dit l'île catholique. Bon, je sais pas, on va demander dès qu'on sera sur l'île. J'ai plutôt l'impression que c'est un rôle comme les secrétaires de mairie, je sais pas, j'ai une idée comme ça, secrétaire administratif ou... Enfin, on verra. Je crois que c'est pas très très important pour le moment. Effectivement, est-ce que c'est Philippe? Oui. Félix Kola, on vous l'a présenté comme une personnalité de l'île Santa Maria. Eh bien, écoutez, j'ai demandé donc si c'était El Secretario et on m'a donné l'affirmation, on m'a dit oui. Bon. Et c'est quoi le secrétaire? Quelle est sa fonction? Son rôle? Ça, je peux pas vous dire. Bon. On vous a dit que c'était bien Félix Kola? Oui, absolument. Pour moi, j'ai posé la question, j'ai donné le nom que vous m'avez donné au début de l'émission, Félix Kola, C-O-I-L-A, et on m'a dit oui, secrétaire. D'accord. Alors, attention au temps, nous avons utilisé maintenant plus de 10 minutes, et nous ne sommes pas encore en vue. Est-ce que vous êtes en vue de l'île... Écoutez, je vois devant moi des habitations. Oui. Mais le moteur vient de tomber en panne. Signor. Vous avez calé. Por favor. Parce que vous savez, ici, pour naviguer, des roseaux, il y en a partout et l'hélice doit se prendre bien souvent dans ces plantes.
Pourtant, le lac Titicaca est navigable, hein. Pardon? Oui, le lac Titicaca est navigable. Ah oui, le lac Titicaca est navigable, je crois qu'il va de 30 mètres à 300 mètres. Alors, vous savez... Et les conditions atmosphériques sont bonnes? Écoutez, c'est un temps merveilleux, c'est comme ça que je conçois les Andes, et le lac Titicaca, c'est vraiment de toute beauté. Bon, il faudrait quand même y arriver à cette... Oui. Ne perdons pas de temps. Nous attendons de vous, Philippe, s'il vous plaît, que vous arriviez le plus vite possible à l'île catholique, autrement dit, l'île Santa Maria, si on a bien compris, et que là, vous trouviez Monsieur Félix Scola, qui serait le secrétaire, Félix Scola, donc qui aurait une fonction, hein, si on comprend bien. Stéphane, il aurait une fonction sur cette île. Voilà. Bon, moi, je me propose de chercher pendant ce temps-là le nom de la patronne de Puno, parce que... Il doit écrire le nom de la patronne de Puno. Alors, moi, je me propose de le chercher. Alors, Puno, c'est ici. Hein, c'est la ville la plus importante qui est sur notre carte. Voilà, le capitaine Jesús Sáez aurait très envie de nous prendre. L'hélicoptère vient de passer tout près du bateau. Il est sûr que nous serions plus à l'aise dans cet hélicoptère. Nous irions beaucoup plus vite. Je suis désolé, mais... C'est peut-être pas possible. Est-ce possible des... Pronto, por favor. Más rápido, por favor, señor. Más rápido. Ah, le problème pour nous, Philippe, nous parlons tous ensemble, hein. Le problème pour nous est de savoir si le secrétaire Félix Scola sait le nom de la patronne de Puno et est capable donc de l'écrire simplement lui demandant, ou si, si nous devons lui donner le nom de la patronne de Puno. Et ensuite, et il fait écrire. Je pense qu'il doit connaître le nom de la patronne. Vous pensez qu'il le sait? Sûrement, certainement. Avez-vous trouvé le nom de la patronne? Là, j'ai un élément. Là, j'ai la fête de la Virgen de la Candelaria. Candelaria, c'est ça. Premier dimanche après... La fête de la Virgen de la Candelaria. C'est A... Je ne suis pas seul à vous, oui. Alors, je vous appelle... Le capitaine Jesús Sáez. Philippe. Oui, je vous écoute. Écoutez, Stéphane. Alors, la fête de la Virgen de la Candelaria. Je vous appelle Candelaria. C-A-N-D-E-L-A-R-I-E-A. Candelaria. C'est ça. Et ce serait donc... Ce serait pour vous, Stéphane, le nom de la patronne de Puno. Mais oui, à mon avis, la patronne de Puno, c'est quelqu'un qui doit être très connu dans la région. D'accord. Bon, écoutez, le bateau est en train de faire la patronne, peut-être que c'est une statue, une vierge. On va chercher, parce que comme c'est quand même un endroit extrêmement quand même catholique. Oui, parce que si le secrétaire ne la connaît pas, on va être bien embêté. Hein, ouais. À moins qu'il la connaisse. Alors, le tout est de savoir. Oui, il faudrait que votre bateau, Philippe, accélère petit peu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Seigneur. 13 minutes et un peu plus de 30 secondes d'utiliser. Combien? Plus de 13 minutes 30 secondes d'utiliser. Voilà. Oui, il faut faire vite. Donde est Santa Maria? Vous en êtes loin encore? Donde est la isla de Santa Maria, Seigneur? J'ai l'impression, Philippe, que c'est assez difficile de se repérer dans ces îles, non? Eh bien, exactement, surtout nous avons un bateau qui est assez petit et je ne suis pas en hauteur. Je ne peux pas avoir une vue d'ensemble du lac. Ça, vous auriez du mal, car il est grand, hein? Il y a des habitations ici, j'espère que c'est là. Bon. Et nous devrions plus tarder à arriver. D'accord. Vous pensez en avoir pour... Excusez-moi, Philippe, vous pensez en avoir pour combien de temps encore? Peut-être 3-4 minutes. Bon. Pascal, qu'est-ce que doit faire Philippe en arrivant sur l'île? Est-ce qu'il demande à la population? Je pense, à mon avis, d'abord, quelle est l'importance de l'île? Philippe? 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 Oui. Pourriez-vous essayer de demander aux gens qui sont autour de vous? Quand il va arriver, il n'y est pas. Quand vous arriverez, et pour l'instant dans le bateau, peut-être les personnes qui rament, ou enfin c'est un bateau à moteur qui sont avec vous, d'essayer de savoir quelle est la dimension de cette île. Quelle est sa taille? Santa Maria? Oui. Écoutez, nous n'allons pas tarder à arriver. Pour essayer de se repérer, suivant les dimensions de l'île, si l'île est très importante. Vous avez des indications sur l'île Santa Maria? Non, on parle des îles Ouros en général, mais pas précisément. On ne détaille pas les... Philippe? Parce qu'on pourrait essayer de savoir si la personne qui le conduit là, connaît ce secrétaire et essayer d'amarrer le plus près possible de l'endroit où il se trouve.
Alors Philippe, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Vous pouvez me la répéter, s'il vous plaît. Est-ce que la personne qui vous conduit connaît lui aussi le secrétaire Félix Koala? D'accord. Habla usted español? No. Quechua, aymara. Quechua, aymara. No español? No, no, no. C'est ça. Quechua, c'est une langue, très parlée. De... Oui, oui. J'ai pris le premier bateau et j'aurais dû faire attention et prendre quelqu'un qui parlait espagnol. Il parle quechua et je dois avouer que. Vous ne parlez pas ça, cette langue. La culture est assez limitée dans ce domaine. Ah. À moins que nous ayons des éléments. Bon, de toute façon, bon, on ne devrait pas tarder à arriver. Santa Maria, qui, si, par favor, pronto, par favor, au hélicoptère. Regarde le chronomètre, il nous reste 28 minutes 40 secondes. C'est-à-dire qu'on a utilisé 17 minutes et quelques secondes. Más rápido. Está así, por favor. Más. Si, no más, no posible. Ah, ce sont des îles flottantes. Oui, ce sont des îles flottantes. Donc elles se déplacent. Hein. On peut pas mettre, je sais pas moi, hein, plus vite. Philippe. Oui, je vous écoute. Ce sont des îles flottantes, donc des îles qui se déplacent, en espérant qu'elles ne se déplacent pas plus vite que votre bateau. Je ne sais pas si elles se déplacent. Hein. Je crois qu'elles sont maintenant posées au fond depuis des générations. Ah bon, d'accord. Donc c'est rassurant. Mais il faut vite aborder l'île maintenant. Oui. Oh là là, ce petit bateau, mais... Et si l'hélicoptère pouvait me prendre? Non. Et si l'hélicoptère pouvait me prendre? Bah essayez, ça me semble risqué, mais enfin... Le tout est de savoir si vous êtes loin ou pas. Et comment vous pourrez vous poser ensuite sur l'île? Mais Patrick et Serge ne pourraient pas m'accompagner, c'est... Vous risquez de faire couler l'île, là, avec l'hélicoptère. Faut que je joue avec eux. Bon, est-ce que vous êtes loin de l'île? On aura de belles images comme ça. Pardon, signor. Les roses d'aquí? Quanto? On va bien comprendre. Quanto minutos de Santa Maria? 10 minutes? Non. Attendez, il me dit 10 et puis il me montre sa main avec 5, alors. Attendez. Là, il est en train... Apercevez-vous quelque chose? Bien, Philippe, on s'impatiente un tout petit peu. Alors, est-ce que cette île Santa Maria, l'île catholique, est à... Approche, parce que c'est un petit peu long, tout ça. Écoutez, j'ai vu avec notre pilote, il me dit que c'est Santa Maria. J'espère que c'est Santa Maria. Donc, je suis à l'approche d'une île. Il y a d'ailleurs des gens montent sur leur petit bateau, sur leur balsa, ici devant nous. Donc, on va pouvoir prendre un petit canal et rentrer à l'intérieur de cette île flottante. J'espère que c'est Santa Maria, mais je ne peux pas vous l'assurer, je n'ai pas de carte et de moyens de... Et Santa Maria, seguro, il m'assure que c'est Santa Maria, le souhaite. D'accord. Alors la première personne, hein, je pense que Stéphane et Pascal sont d'accord. Santa Maria, si, gracias. Bien. Je viens de demander à un pêcheur, ils me disent que c'est Santa Maria. Santa Maria, c'était moins loin que nous le craignions. Attendez, connaissez-vous un seigneur qui se llama... attendez, bon, comment s'appelle? Félix Koala. Ok, Félix Koala, gracias. Voilà, on arrive donc en vue du village. Bon, c'est la bonne île, donc. Il y a des petites filles qui sont sur le bord. C'est fantastique, c'est très très mignon. On a quand même de la chance. C'est pour vous, Félix. C'est pour vous. Santa Maria, el señor Félix Koala, un secretario... Je descends. Patrick, tu peux me rejoindre? Por favor, un señor que se llama Félix... Bernabé, quello qui est presidente de la isla. Por favor? Bernabé, quello qui est presidente... Comment se llama la isla? Isla Santa Maria. Santa Maria. Connaissez un hombre que se llama Félix Koala? Es un secretario de... Si? Si? Bon, c'est la bonne île. C'est la bonne île. Philippe! Entendez? El señor? Patrick? Es el señor que est en el barco? Félix Koala? Félix Koala, où c'est que... Por favor, señor. Écoutez, Félix Koala, c'est la personne que nous avons doublée en bateau. Il se trouve sur une petite embarcation. Il arrive maintenant vers nous. Alors attendez, il faut qu'il m'écrive le nom de... Le nom de la patronne de Puno. Mais nous supposons que c'est la Virgen de la Candelaria. Eh bien écoutez, je vais essayer de... Por favor, el señor Koala. Et si on pouvait en avoir confirmation? Il faut qu'il l'écrive, ce nom. Je me suis trompé de personne. Comment se llama, señor Félix Koala? Candelaria.
Où c'est le secrétario? Pardon. Si, por favor. Puisqu'on nous parle là donc de cette fête. Por favor, señor. Écoutez, Philippe. Por favor. Me puede escribir el nombre de la patrona de... Des Puno. Des Puno. Des Puno. Si, la patrona de Puno. Si. ¿Conoce usted la, el nombre de la patrona de Puno, señor? Patrona de Puno. Si, por favor. Vite, vite, vite. Por favor, ¿qué es el nombre de la patrona de Puno? Demande-lui. ¿Conoce usted? Demandez-lui si c'est la Candelaria. Si, la patrona de Puno. Fiesta Candelaria. Comment? La fiesta Candelaria. Voilà. Attendez. Faites-lui écrire. Por favor. Faites-lui écrire, Philippe. Il écrit. Il écrit quelque chose. D'accord. Candelaria. La patrona de Puno. Il écrit la patrona de Puno. Comment se llama? Es. Candelaria. On va vous l'écrire, on l'a trouvé. Virgen y después voilà. De la ri. Tu arrives à lire, Patrick? Allez, vite, 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 vite. De la Candé la ri. Yeah, top, quand même. Bravo. Top. Ah. Bravo, Philippe. Bravo, hein, parce que vous aviez trouvé. Écoutez, écoutez, oui. ce monsieur sait tenir le suspense. Il a écrit la patrona de Puno es la Virgen de la Candelaria. Il a pas. Gracias. Muchas gracias. El secretario. Il joue avec les nerfs de nos candidats. Bravo, hein. Vous l'aviez trouvé dans les livres. On a perdu un petit peu de temps quand même. Enfin, on va essayer de se rattraper. Vous allez nous expliquer qui est ce secrétaire en plus. Ce secrétaire, c'est tout bêtement l'écrivain public. Ah. En fait, aussi le chef, le trésorier de l'île. Et Félix n'a pas lésiné avec les mots, puisqu'il a écrit vraiment la totalité, effectivement, la Virgen de la Candelaria, qui est tout bonnement la Vierge de la Chandeleur. Et c'est la patronne de Puno, vous l'aviez trouvée dans les livres. Oui, on dit que c'est alors, ça, la il fête. Suffisait de trouver donc cette île Santa Maria la Catholique. Ces îles, il faut les imaginer aussi, parce qu'elles sont toutes petites, ces îles, et pas très habitées. Elles sont quelques 45, ce sont de véritables radeaux flottants de totoras. Les totoras, ce sont ces roseaux, qui ont d'ailleurs donné un petit peu de mal à Philippe. Nous avons les roseaux pensants, ils ont les roseaux flottants. Mais c'est la seule chose qui pousse dans ces environs-là. Et ils s'en servent beaucoup, ces ouros ou ces ourous. Ils s'en servent pour faire leurs îles, donc comme matériaux, pour faire leurs maisons, pour faire leurs bateaux aussi. Ce sont des balsas en totoras, enfin vraiment, c'est tout. Ils adorent aussi. Cette totoras, vous savez, il s'adonne au culte du soleil, de la lune et aussi de la totora. Et je crois qu'elle le mérite parce que vraiment, elle leur sert à tout. Alors, il faut quand même parler un petit peu de ces ouros. Il n'y en a plus guère, en fait. On dit que ce sont les îles des ouros, mais ils sont très métissés. Et ils ont eu très, très mauvaise réputation, ces ouros. C'était des Indiens d'avant les Incas. Et au moment de l'Empire Inca, ils devaient payer un tribut, une sorte de taxe. On leur demandait de remplir un roseau de poux. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'ils étaient paresseux, qu'ils étaient voleurs, bons à rien. Alors pour les occuper, on les obligeait à ramasser leur poux, à remplir un petit roseau et ça servait de taxe. Par la suite, ils avaient tellement mauvaise réputation qu'ils ont été exemptés de travail dans les mines. Et c'était... pas rien, vous savez, au moment des colonisateurs, ne pas travailler dans les mines d'argent de Potosi, notamment, qui sont toutes proches, c'était quand même quelque chose. Il faut dire que ces ouros ont quand même eu quelques excuses. Les conditions de vie sont très dures. Ce sont des radeaux flottants, donc très humides. Vous savez, ils remettent toujours des totoras par-dessus au fur et à mesure que les totoras pourrissent. Et c'est très humide, en fait... Dès l'enfance, ils sont perclus de rhumatisme, ils ne sont pas très heureux. Enfin, ils n'étaient pas très heureux parce qu'ils ne sont guère nombreux maintenant. Soi-disant, on va les visiter, mais il n'y en a plus guère. Ils sont métissés avec les Aymaras, maintenant. Merci Elsa de toutes ces précisions sur ces Indiens Ouros, peu connus, hein, on n'en parle pas beaucoup. Non, peu connus, mais enfin, ils ont une mauvaise réputation. Les pauvres. Et ça, on en parle beaucoup, malheureusement pour eux. Alors, nous allons repartir. Philippe, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Patrick Deser, on peut remonter à l'intérieur. Je monte tout le matériel. Et nous y allons. D'accord? Bien. Ok. Est-ce qu'on peut y aller pour la deuxième énigme? Écoutez, oui, nous venons de faire. Merci Jésus. Un exploit fantastique. Un exploit merveilleux. Jésus est venu nous rechercher au-dessus des bateaux.
Et nous sommes montés, Patrick, avec sa caméra et Serge Popper avec son magnétoscope. Ok, chapeau les gars. Formidable. Formidable, l'effet d'acrobatie. Bien. Deuxième énigme, 5000 francs. Attention Philippe au chronomètre. Philippe. Ok. Philippe. C'est parti. Top. Oui. C'est parti. Ok. Voici l'énigme. Elle est très très courte. Elle vaut 5000 francs, je l'ai dit. Le diable caporal aux éperons vous remettra un carachi. Je répète cette énigme courte. Oui. Le diable caporal, comme un caporal français, en français en tout cas, aux éperons vous remettra un carachi. Ça s'écrit C-A-R-A-C-H-I. Alors je crois que dans un premier temps, il faut savoir ce que c'est que un carachi. Oui. C'est entre guillemets le carachi, Philippe. Carachi, oui. Et le diable caporal aux éperons, il faut que nous essayions d'expliquer. Karachi, je n'ai pas trouvé moi. Je ne l'ai pas dans le guide vert, dans le guide bleu plutôt. Alors, Philippe est en hélicoptère, vous alors, avez entendu. Le diable caporal, qui pourrait être le diable caporal? Vous avez entendu tout à l'heure ce que nous expliquait Philippe. Il est passé du bateau, de l'île, etc. Il est maintenant en hélicoptère. Quelle direction? À mon avis, Philippe, il faut que vous redescendiez sur la côte. Sur la côte? Oui. D'accord, nous repassons de quel côté? Parce que regardez, ça fait une nouvelle. Nous étions tout à l'heure, la première où nous avons démarré l'émission, et puis je vais donc sur la côte. De quel côté? Descendez vers le sud. Vers le sud? Oui, laissez-nous le temps de chercher. Bon, alors, vous oui, allez vers le sud. Vers le sud, vers Jaraoui Pampa. Alors, Jaraoui Pampa. Karachi, peut-être. Pouvez-vous partager le travail? Karachi, c'est vous, Stéphane, qui cherchez. Je cherche le diable caporal aux éperons, c'est vous? Oui, je vais essayer de trouver, de savoir qui est. Moi, je vais indiquer le trajet que nous allons effectuer. Donc, vous souhaitez que Philippe, qui est remonté à bord de l'hélicoptère, descende vers le sud. Voilà. Philippe? Oui, je vous écoute. Auriez-vous, par hasard, je ne sais pas, à votre avis, qu'est-ce que c'est que le diable caporal aux éperons? Qui est-il, à votre avis? Alors là, je ne peux pas du tout vous rendre. Je tiens à aller. Et le caporal? Écoutez, pouvez-vous me répéter l'énigme, s'il vous plaît? Parce que j'étais un petit peu euphorique là, de cette montée dans l'hélicoptère. Pouvez-vous me répéter l'énigme? Le diable caporal aux éperons vous remettra un carachi. D'accord, aux éperons. Vous remettra un carachi. Je crois que le plus urgent, c'est finalement de trouver ce qu'est le diable caporal aux éperons. Car le carachi, c'est le trésor, visiblement. Le diable caporal aux éperons. À quoi ça vous fait penser, Stéphane et Pascal? Le diable caporal aux éperons. Diable caporal aux éperons. Bon, là, je sais pas, j'ai des photos. Oui. Je suppose pas que ça n'a aucun pour le moment. Des photos, les photos pardon. Doivent avoir peut-être leur importance, peut-être pas. On va les regarder ensemble, alors je le sais pas. Le diable caporal, peut-être que le diable caporal, ce serait quelqu'un qui porterait bleu, un masque spécial ou... J'arrive maintenant à proximité de la côte. Allez, bon, où voulez-vous que j'aille? Stéphane, comme le guide bleu. Bon, là, on est descendu vers le sud. Nous avons des photos, et vous savez que la documentation que je vous ai donnée n'est pas inutile. J'ai cru lire tout à l'heure qu'il y avait... Philippe? Philippe? Oui, je vous écoute. À Puno, il n'y aurait pas une fête en ce moment? On nous dit que c'est la fête, donc justement... Je peux aller voir si vous voulez. On nous parle justement de la fête de la... De la Candelaria. Alors attendez, attendez. Radio Jean-Paul de Fion, peux-tu me baisser un peu la voix? J'ai le retour de l'hélicoptère. Philippe, c'est très important dans mes oreilles. Philippe, oui. Très important car le temps tourne. Il nous reste 19 minutes 38 secondes. Pour Pascal et Stéphane, il y a des informations qui sont importantes et intéressantes. Allez-y. Oui, Stéphane. Il serait, je crois, en parlez ce moment. Bien fort. Il y aurait des carnavals, puisqu'on nous parle en ce moment qu'il y aurait la procession notamment d'une statue. Bon. Où? À Puno. Pouvez-vous diriger vers Puno? Bon. Important. Alors, vous avez des photos. Là, on regardez. On nous parle de... C'est quelqu'un qui porte un masque spécial. Bon, on va voir. Alors là, on a perdu un peu de temps parce qu'on est parti vers le sud. Hein. Philippe, vous voyez Puno sur la carte? Il faut trouver d'abord ce que c'est que le carachi, quand même. Jean-Paul, si tu peux baisser un peu le... Non, je ne veux pas. Philippe, je suis en face de Puno, la ville de Puno s'étend devant nous, donc
sur les bords donc, du lac Titicaca. J'ai demandé au capitaine Renaud Sahel de lui porter. Une agglomération assez importante. Philippe, et je prends les commandes, oui. Pourrez-vous essayer de vous poser? On va essayer de se poser, absolument. Oui. Nous allons survoler la ville et nous allons essayer de trouver un endroit pour nous poser. Oui. Exact. Ensuite, je pense que ce serait bien que vous demandiez aux gens, si vous voyez quelqu'un autour de vous, si en ce moment il y a une fête. Oui, d'accord. Si une fête, vous ne pensez pas qu'il la verra. Ensuite, est-ce que vous pourrez essayer de savoir ce que c'est qu'un karachi? D'accord, nous arrivons maintenant. Oui. Vous voulez que je vous l'épelle? Je l'ai déjà noté. Très bien. On m'a dit C-A-R-A-C-H-I. Très bien, oui, c'est ça. Okay. Donc, vous avez trouvé dans la documentation qu'il y avait des fêtes à Pino. Exactement, dans cette période. Il faut que Philippe, peut-être survole Pino. S'il y a des fêtes, bon, regardez les photos. Hein, je crois que s'il y a des fêtes, ça doit être très visible. Il y a des costumes, il y a beaucoup de gens. Et Philippe devrait voir ça très vite. Voilà, je suis au-dessus de la ville de Pino maintenant. Bon, est-ce qu'il y a des attroupements en ville ou est-ce qu'il y a une place où il y aurait des gens costumés? Qu'est-ce Écoutez, que vous voyez, Philippe? J'observe, on cherche s'il y a un attroupement, s'il y a des gens costumés, Patrick, si avec ta caméra tu peux. Quelle heure est-il, Philippe, pour vous? Ah, là devant, oui, sur la place d'une église, il y a des gens, mais c'est peut-être un marché, non? Écoutez, Cagnoulen? Un diable, caporal, oui, un diable, ça pourrait être quelqu'un déguisé en diable. Vous parlez de masque? Écoutez, Pascal, je ne sais pas. Oui, moi, je parle de et vous, vous parlez de déguisement, de d'accord. Donc Philippe, Philippe, Pascal et Stéphane imaginent que c'est un costume ou un masque ou quelque chose comme porté ça. Porté par quelqu'un lors porté d'une occasion. Il y a des gens qui dansent. Au cours de Écoutez, la fête. Il y a des gens qui dansent. Ah. Il y a des gens qui dansent. Il y a une sorte d'orchestre. Pourriez-vous essayer de vous poser? Je vais essayer de me poser. Bon là on avance, hein. S'il y a des gens nombreux, peut-être qu'il y a une fête, on va le vérifier très vite. Est-ce que ça vous semble des gens en fête, Philippe? Pardon, Didier? C'est pour vous ces gens qui dansent, c'est une fête importante. Oui, 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 je pense que Patrick aussi a dû filmer. J'ai vu un groupe de danseurs. Oui. Donc sur cette place centrale, c'est peut-être la cathédrale de Pino, une église qui est d'ailleurs très très belle. Donc ça confirme l'information donnée par Pascal et Stéphane. Nous sommes en approche maintenant, nous sommes en approche de l'atterrissage face à la cathédrale de Pino. D'accord. Alors, le karachi, ça n'est dans aucun livre? Ben, on ne l'a pas trouvé encore, non. C'est peut-être une illustration ou quelque chose? C'est peut-être tout simplement un masque. Je crois qu'il faut chercher à Pino, hein. Il faut maintenant... Oui, Pino, c'est ça. Comme c'est un nom, entre guillemets... Donc, il se fixe sur Pino. Je vais chercher de mon côté. Vous en êtes où, Philippe? Je laisse le pilote faire son atterrissage, qui est toujours, une action assez périlleuse, surtout sur une place où il y a énormément de gens rassemblés. Absolument. Il ne faudrait pas qu'il nous arrive un seul problème. Non, voilà, nous sommes posés. Merci, Résus. Faites attention. Et je descends avec Patrick Affaire. Bien. Alors, c'est à vous maintenant, Pascal et Stéphane, de guider Philippe. Que voulez-vous qu'il cherche? Doit-il interroger des gens? D'abord qu'il se dirige vers la fête. Vers les gens, en fête. Bon, vers la place... Philippe, oui. Pascal vous demande de vous rendre vers les gens qui dansent. Oui, il y en a là qui dansent. Ah bon, et qui jouent de, vous êtes juste devant. La musique. Bon. Pourriez-vous essayer d'abord de... Est-ce que vous voyez un diable caporal aux éperons? Là, vous lui en demandez beaucoup. Signor, oui, busco un caporal que tiene escuela. Je ne sais où. Philippe, oui. Philippe, essayez de nous décrire les gens que vous voyez. Comment sont-ils habillés? Est-ce qu'ils ont des masques? Puisque Pascal pense à des masques, ont-ils des costumes particuliers? Les danseurs que j'ai devant moi sont habillés, bien sûr, très colorés. Ils ont des chapeaux recouverts de plumes, comme des plumeaux, si vous voulez. Énormément de plumes sur la tête. Et puis, de tenue, ils ont des pantalons noirs. Les femmes ont des jupes noires. Et les hommes ont des boléros rouges, de couleur rouge. Ils jouent, mais je ne vois pas
demander ce que c'est qu'un karachi. Ils doivent savoir. Philippe, écoutez, cette fête est-elle spécifique à cette place ou la ville entière est-elle en... Écoutez, je pense que la ville entière est en fête puisqu'il y a énormément de groupes folkloriques. Et là, je suis vers un nouveau groupe, des femmes. Por favor. Por favor. Conocer un caporal con espuela. ¿Qué tiene espuela? Yo soy de Avantaño como gobernador en este distrito. Nosotros bailamos con la pata, Pachamama. Bon, Philippe, j'ai une indication là que je vais soumettre à Pascal et à Stéphane. Regardez, chaque année sur les hauteurs de l'Altiplano au Pérou, donc nous y sommes surtout à Puno. Bon, puis ailleurs se déroule pendant la fête. Bon, et vous, c'est la fête de la Chandeleur. Hein, c'était tout à l'heure la traduction de ce que vous aviez indiqué. Candelaria. Et la danse de la Diablada. Or, le diable caporal aux éperons, le diable, Diablada, c'est la traduction. Etc. Alors... Et là, on nous parle du diable. Un diable éclatant de lumière et de couleurs, les empêchant d'aller plus loin. Por favor, busco, señorita, busco un caporal le masque, représentant les sept péchés capitaux. Que tiene espuela. Un masque qui doit être porté par quelqu'un, par un diable, qui, à mon avis, doit être... Por favor, señor. Expliquez ça à Philippe. Écoutez, on m'a dit qu'il y avait un caporal. Philippe. Oui, on m'a dit qu'il y avait un caporal par là-bas. Écoutez, Pascal. Oui. À mon avis, nous venons de trouver, Philippe, dans les bouquins, une danse qui s'appelle la danse de la Diablada. Donc, la danse de la La danse du diable. La danse du diable. Diablada. La danse du diable. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ce diable... Écoutez, Philippe. Ce diable porterait un masque éclatant de lumière et de couleurs. Donc, il se serait possible que ce karachi, peut-être, serait à ce masque. Oui, écoutez, je suis là maintenant avec un autre groupe. Il y a une personne qui a un masque, mais... Demandez-la s'il danse la Diablada. Diablada, est-ce la Diablada? La bailar Diablada? A qui? Est-ce un caporal? Por favor, señor. Tenez-vous ces espuela? Espuela, c'est bien les éperons? Oui. Hein? Espuela? Oui, certainement. Alors... Écoutez, je regarde, non. Écoutez, ce monsieur n'a pas d'éperon. Non. Bon. Non, espuela? Non, espuela? Et caporal, où c'est caporal? Si, il y a un autre caporal, mais je ne vois pas de... Ils n'ont pas de tenue particulière, ils ont juste une cagoule en forme d'éléphant sur la tête. Stéphane, vous avez une idée, là? Ce n'est pas ça, là. Oui, parce qu'il doit remettre à Philippe un karachi. Oui. Et là, il y a un autre orchestre. Il y a peut-être un caporal, c'est une musique peut-être militaire, non? C'est signé où le caporal? Le caporal, où c'est, non? Voilà. Caporal, où c'est? Non? Caporal? Je ne comprends pas là. Stéphane. Je peux chercher ailleurs, non. Non, je crois que ça doit être finalement quelqu'un d'assez important dans ce carnaval, puisqu'on nous parle. Philippe. Philippe. Ah, oui. Oui, je vous écoute. Je crois que nous avancerions, et c'est l'idée de Stéphane. Si vous demandiez à ces gens qui dansent, cette danse de la fête donc de la Chandeleur, si j'ai bien compris, ce qu'est un karachi. Ah si, peut-être. Seigneur, qu'est-ce un karachi? Il nous reste 9 minutes 56 secondes. Un pescado pequeño, si, del lago, de acá del lago más grande del mundo, si. Qui est? En el centro, señor. Un pescado? Un pescado pequeño. Alors, on me dit que c'est un petit poisson. Est-ce un pequeño pescado, un karachi? Le diable caporal aux éperons. Attendez. Ce sont des petits poissons qui se mangent. Un karachi est un petit poisson qui se mange. Connaissez, seigneur, vous connaissez un caporal, le diablo, qui tiene espuela, espuela. Bon, le trésor est un petit poisson. Un petit poisson. Un petit poisson qui se mange. Et à mon avis, donc, le diable caporal aux éperons doit être le... plus ou moins le chef de ce carnaval et doit diriger plus ou moins puisqu'on nous parle d'un diable. Il y a un autre groupe, seigneur, connaissez une personne qui est caporal et diablo? Il y a une personne avec un masque ici, attendez, por favor, seigneur, est-ce un caporal et diablo? Oui. Si, tiene espuela, attendez, je regarde. Il doit vous remettre un karachi. Attention! Attention! Stop! Stop! 8 minutes 45 de la fin. Bravo, Philippe.
Alors, j'ai dans les mains un petit poisson en argent. Alors je pense que c'est ça. Est-ce une karachi? Si. Ce monsieur, ce caporal des Diablos, est absolument fantastique. Il est doré et bleu azur. Il a un masque gigantesque sur la tête. C'est vraiment de toute beauté ce carnaval. Et il danse devant nous maintenant avec son groupe folklorique. Voilà, je suis sur la place de la cathédrale de Puno en plein carnaval. C'est extraordinaire. Alors je ne savais pas, on en apprend tous les jours, qu'on mangeait des poissons en argent. Au Pérou, Elsa. Non, le karachi est un vrai poisson du lac Titicaca. Mais là, c'était un bijou en argent, la reproduction de ce karachi, un bijou en argent que devait remettre ce caporal à Philippe. Et voilà. Vous avez donc fait la deuxième énigme. Mais je dois dire qu'on a eu une opportunité fabuleuse, là, de tomber dans ce carnaval. Oui, ce carnaval qui dure 8 jours à Puno. Il faut imaginer cela. À peu près 15 000 personnes sont là en permanence à danser, costumées. C'est absolument merveilleux. Alors, il y a différents groupes. Il y a pas mal de diables, comme vous l'avez vu. Le caporal est le chef d'un de ces groupes. Celui à éperon, justement, ce diable, c'est un petit peu un capitaine comme le capitaine des majorettes, la capitaine des majorettes, ou comme le tambour-major. Bon, il guide son groupe. Mais c'est absolument fabuleux, ce carnaval. Enfin, était courte, mais contenait plein d'informations. Oui, il fallait être sur place et trouver ce fameux caporal au milieu de cette foule. Et là, le travail de recherche a été très conséquent. La communication La communication est bonne, mais par contre, la communication sur place est assez difficile. Vous avez entendu à quelle allure parlent ces Péruviens. L'espagnol, c'est une vraie mitrailleuse. Hein. Et encore, quand ils parlent l'espagnol, parce qu'il y a quand même 20% de la population qui ne parle pas l'espagnol, qui ne parle que quechua. Vous l'avez entendu lors de la première énigme, lors des recherches, quelqu'un ne parlait que quechua ou aymara, c'est-à-dire le dialecte indien. Alors, encore une chance. Merci Elsa. Deux énigmes trouvées, 7500 francs. Cette troisième énigme vaut 20 000 francs. Philippe, je vous reprends. Un grand merci. Avec mon écouteur. Bravo, hein, vous avez eu le temps de danser un petit peu, non? Je n'ai pas dansé, je ne sais pas très très bien danser, mais je peux essayer si vous voulez. C'est un rythme à prendre, je crois. Non, écoutez, je crois que tous les téléspectateurs francophones de l'émission rêvent de vous voir danser la Diablada. J'en suis persuadé. Voilà, est-ce que nous pouvons repartir? Absolument. Alors attention, top chronomètre. Cette troisième énigme qui vaut 20 000 francs et il nous reste pour la découvrir. Merci, 8 minutes 40 secondes, la voici. Au 140, sur le sommet de la tour aux momies, dont la porte donne vers le Levant. Nous avons laissé une coupe à Chicha, ou Chicha. Je relis cette énigme, Philippe, qui comporte un certain nombre d'indications. Au 140, sur le sommet de la tour aux momies, au pluriel, dont la porte donne vers le Levant, nous avons laissé une coupe à Chicha. Une coupe à, avec un accent, Chicha. C-H-I-C-H-A. Voilà. Alors, beaucoup d'indications de direction, j'ai l'impression. Bon, bah d'abord, oui, au 140. Et Pascal. Au 140. 140, c'est quoi? C'est... Est-ce que ça serait un... Je sais pas... Attends, on va reculer. Sur le sommet de la tour d'Aumomie, dont la porte donne vers le Levant, nous avons laissé une coupe à Chicha. Alors, au 140. Est-ce que ça serait un kilométrage? Au kilomètre 140 ou une altitude ou une... Au 140. Alors ça peut être une altitude, ça peut être un kilométrage, encore que je vois pas comment on pourrait... Si ça peut être 140 km d'un point, mais enfin cette carte fait beaucoup moins. Hein. Elle fait 25 km dans toute sa largeur à peu près. Ça peut être une direction, ça peut être un cap, je ne sais pas. Savoir aussi ce que c'est qu'un chicha. Je vais peut-être... Au 140... Que doit faire Philippe? Est-ce qu'il décolle? Est-ce qu'il reste? Est-ce que vous êtes à l'hélicoptère? Philippe. Je suis toujours sur la place de la cathédrale, toujours au milieu de danseurs. C'est absolument étonnant de couleurs et de joie, d'ailleurs, beaucoup de gaieté. Vite. Il faudrait vite. Allez, hélicoptère. 10 minutes 50, 2. Je suis prêt d'hélicoptère. Eh bien, vous montez. Je viens de trouver quelque chose, là, Philippe. Sur les berges du lac Umayo. Donc, il faudrait d'abord que vous rejoigniez l'hélicoptère. Oui, d'accord. Les choulpas ou tombes funéraires qui datent de 1200 ans avant Jésus-Christ sont situées sur une colline dominant le beau lac Umayo de couleur améthyste. Donc peut-être sur le sommet de la tour aux momies,
Cette tour Omomi serait une, donc une de ces tours, oui. Une de ces tombes funéraires, dont la porte donne vers le devant. Oui. Alors. Pourriez-vous? Écoutez, deux minutes, je m'adresse encore à notre technicien radio. Est-ce que l'on peut baisser le retour? J'ai vraiment trop de bruit dans les oreilles. Je ne comprends pas très bien. Philippe. Merci. Oui. Je résume. Pascal, oui. Qui a un certain nombre d'informations, vous demande de vous rendre, si j'ai bien compris Pascal, hein, vers le lac Umayo, qui est ici, tout en haut de la carte. Voici le lac Umayo. Umayo, oui, je vois aussi. Vous le voyez? Pourquoi, Pascal? Oui. Vite, hein, 5 minutes 45. Parce que je viens de trouver des tombes funéraires qui sont dans cette région. Donc je pense que le sommet de la tour Omomi serait une tombe funéraire. Bon, est-ce que ce lac... qui ont des formes caractéristiques... Est-ce que ce lac Umayo est à 140 de quelque chose? Une façon de regarder. En tout cas, j'ai trouvé ce que c'était que la chicha. C'est quoi? C'est une boisson fermentée à base de maïs. Bon, vous le dites à Philippe, qu'il comprenne bien. Philippe? Oui. Vous êtes dans l'hélicoptère? Oui, l'hélicoptère. Donc nous sommes dans l'hélicoptère, nous remontons et nous allons décoller. Alors, j'ai trouvé ce que c'était qu'une chicha. Oui, je vous écoute. Alors, c'est une boisson fermentée à base de maïs ou de canne à sucre, d'eau et de miel, et qui était servie dans des chicherias qui se signalent à l'attention des passants par une fleur de papier au bout d'une longue perche. D'accord. Alors, concrètement, si je peux me permettre, une chicha... je décolle... Donc, une chicha serait une boisson. 3 secondes. Donc, Philippe, vous êtes reparti, je pense, maintenant. Oui, nous décollons. Ah, oh là là, le pilote me fait signe qu'il ne reste plus beaucoup de fuel dans son hélicoptère. Eh bien, on va tenter quand même, Rezus. Faut y aller. Est-ce que vous pouvez atteindre, avec ce qu'il vous reste, le lac Umayo? Oui, je pense qu'on va pouvoir atteindre. Il le faut de toute façon. Bon, il nous reste peu de temps. 4 minutes 20 secondes, nous ne devons plus perdre une seconde. Alors là, j'ai trouvé... Donc Pascal, pour vous... J'essaie de chercher... Alors pour moi, c'est une tombe funéraire qui doit avoir une forme au sommet de la tour. Peut-être que sur le sommet de la tour, les choulpas sont des... Peut-être alors là, moi, j'ai... Dont la porte donne vers le levant. J'ai quelque chose, c'est là. C'est la direction, c'est une direction. Oui. J'ai quelque chose. Les choulpas de Silustani. Attendez. Répétez-moi, s'il vous plaît, nous décollons à l'instant même. Répétez-moi. Alors, il faudra aller dans la direction de Silustani. Je ne sais pas si vous l'avez sur la carte, parce que nous, on ne l'a pas. Et direction si pas sur la carte, c'est pas un jeu. Hein. Alors, vous ne faites pas de soucis. Nord-sud. Ça serait au nord-ouest. Oh non, c'est pas. Nord-ouest. Hein. Attendez, je cherche sur ma carte. Mais c'est dans les environs de Pokerkola. Ah. Non, mais faut que ce soit. Ah, mais écoutez, oui, je... Alors, je attendez, vois, ce n'est pas très loin. Ce n'est pas très loin du lac Umayo. Puisqu'on me dit que ce n'est pas la route de Cusco. Dirigez-vous vers le lac Umayo. Ce n'est pas très loin du lac Umayo. Ouais. Non, c'est pas loin, Philippe. Ok, c'est dans le nord de la carte. C'est sur une presqu'île s'aventant dans la lagune Umayo. Silustani, por favor. À 140 sur le jeu, dans ce pays. Nous y allons. Au 140. Ce serait une direction pour vous, Pascal? 140. Le temps me fait peur, hein, 2 minutes 50 secondes maintenant. Vous en êtes où, Philippe? Oui, Stéphane, je viens de prendre la direction de Silustani, j'ai indiqué au pilote, nous nous y partons. Alors, je dois trouver une tour. Il faut faire très vite. Alors, c'est une tour qui, sur le... Attendez, là, on me donne des indications. Alors, c'est une dont immense... la porte se donne vers le levant, Pascal. Le levant, c'est... Bah là, on m'en parle. Vous c'est verrez plusieurs choulpas autour funéraire, dont la porte s'ouvrait du côté du soleil levant. Voilà. Aujourd'hui, plus ou moins ruinée. L'une d'elles, de plan circulaire et de 12 mètres environ de hauteur, voilà, est particulièrement remarquable par la perfection de sa maçonnerie. Bon, ça correspond à l'énigme. À combien de temps nous reste-t-il maintenant? Oh là là, 1 minute 30. Alors, mas rapido, signor. Se puede. Mas rapido. Résumez vos informations, Stéphane. Donc, vite et fort. Donc il fallait danser sur cette lagune Umayo. Oui. Vous allez trouver des choulpas. Il y en a un qui sera d'environ 12 mètres de hauteur. Plus important que les autres. Dont une porte donne vers le levant. Vers l'est. Donc c'est-à-dire vers l'est. Donc au pied. Ah ben non, c'est sur le sommet de la tour Omomi.
Aïe, 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 sur le sommet de la tour aux momies. Contre nous, 52 secondes. J'ai l'impression qu'on n'est pas très très loin de la solution. Philippe. Oui. Vous n'êtes écoutez, pas... nous sommes toujours en direction du nord-ouest. 40 secondes. Oh là là, le Dantes. Paraca. Écoutez, je suis maintenant au-dessus de l'altiplano, mais je ne vois toujours rien, je ne vois toujours pas de tour devant moi. Vous ne voyez pas cette lagune, ah, je suis maintenant au vue du lac, il y a un autre lac derrière. Je ne sais pas si Patrick, tu peux le filmer avec ta caméra. Bon, vous approchez alors, rien. Mais on n'aura pas le temps. Cherchons hein. Une lagune. 10 une secondes. Une lagune, oui, c'est peut-être une lagune. 10 secondes. Ah, on est, et pourtant, on a fait. 4, 2... Voilà le coup de gong que j'attendais, car j'ai vu le temps se réduire peu à peu. J'ai l'impression, mais on va demander à Elsa, vous n'étiez pas très loin de la solution, enfin je sais pas, c'est mon sentiment. J'ai l'impression aussi qu'on a perdu trop de temps au départ. Hein, c'est au départ, oui, c'est au départ qu'on a perdu beaucoup de temps. Sur le lac. Et si on avait perdu moins de temps dans nos recherches hein, sur ces îles, on aurait peut-être eu plus de temps pour arriver. On va demander à Elsa ce que fait Philippe, est-ce qu'il a le temps d'y aller Non, je pense qu'on le retrouvera après le générique. On vous retrouvera après le générique, Philippe. Je vous propose donc de vous rendre, de vous poser donc sur la sorte de petite presqu'île. C'était bien ça que vous voyez, absolument, la direction était bonne, la solution Stéphane était bonne. Hein. Ou Maillot. D'ailleurs, vous avez tout trouvé dans les livres. Pascal avait trouvé le lac et lui... Absolument. Alors, Philippe, vous vous rendez donc vers Umayo, dans la direction que vous empruntiez. Vous voyez une petite presqu'île. Vous ne pouvez sans doute pas voir ses tours, car elle se trouve dans une sorte de cratère naturel. Les flancs de ce cratère sont découpés en terrasses. Et là se trouve cette tour de 12 mètres de haut. Et c'est là que vous trouverez cette coupe de chicha. Alors, je ne redirai pas ce que c'est que la chicha. On s'en enivre, c'est une sorte de bière de maïs. Je pense qu'on en a beaucoup consommé au carnaval de Puno. Et nous allons peut-être penser à tout cela et nous consoler de ne pas avoir gagné ces trois énigmes. Alors, dans ces tours qui servaient de tours funéraires, Chulpas de Silustani, vous l'avez trouvé dans le livre, bravo Stéphane, on a trouvé des momies. Dans les petites tours, il y avait à peu près une ou deux momies. Dans les grandes, il y en avait jusqu'à 8. C'est un site archéologique pré-Inca. Donc, on n'en sait pas grand-chose. On sait simplement que cela servait de tour funéraire. Sur la période d'avant les Incas. D'avant les Incas, oui, absolument. Oui, oui. Merci Elsa. Bah, alors, rendez-vous avec Philippe après le générique. Et avec cette coupe de chicha. Avec cette coupe de chicha. À la main. Philippe, à tout à l'heure. On vous retrouve dans quelques instants. Écoutez, je boirai volontiers à votre santé, mais excusez-moi, Pascal et Stéphane, on a peut-être perdu trop de temps avec ce petit bateau. Mais on n'aurait pas pu y aller avec l'hélicoptère ne pouvait pas venir nous prendre. Non, mais je crois que, personne n'est responsable, hein, c'est le jeu. On a peut-être mis beaucoup de temps aussi, nous, à trouver la première solution. Écoutez, vous avez trouvé deux trésors, vous repartez avec 7500 francs. La boîte du jeu, la chasse au trésor. Merci beaucoup. Bonjour à tous nos amis et à tous vos amis de Grenoble. Merci en tout cas d'avoir participé à ce jeu. Je pense que vous avez bien joué. Ça vous a intéressé, passionné? Très intéressant, oui. C'est assez excitant hein, de faire courir Philippe, de chercher dans les livres. C'est pas facile, mais je crois que c'est le jeu d'allier un petit peu la documentation, la recherche sur le terrain, le dialogue avec Philippe. Merci à tous de nous avoir suivis. À très très bientôt pour une prochaine chasse au trésor. Au revoir.